Bienvenue sur une nouvelle présentation de Tennis Elbow 2013. Je suis rendu aux qualifications, première ronde du Master 1000 de Rome. Première fois que je suis en qualification pour un Master 1000. Votre carrière, si vous suivez encore jusqu'à maintenant, de Milos Raonic, 2010, semaine 19, si je ne m'abuse. D'ailleurs, je peux aller vérifier immédiatement au niveau de la semaine où est-ce qu'on est rendu au classement. C'était la 97e position au classement mondial, 42e au niveau de la race. Donc, au niveau du tournoi de la semaine, comme je vous dis, c'est le Master 1000 de Rome, première ronde de qualification contre l'Allemand Michael Behrer. Centième au monde présentement. Michael Behrer étant un volleyeur avec environ 1150 points. Je vais aller vérifier ça en commençant mon match. Sinon, c'est ça, c'est la semaine 19, je crois. Ah oui, c'est pas ici que je vois ça, mais. Je suis pas mal certain de mon affaire. Donc, Michael Behrer, 1157 points, niveau pro 10. Un grand volleyeur de 1,93 m, service assez puissant. Bon en coup droit, un peu moins en revers. Pas très rapide. Je vais essayer de le déborder là-dessus. Moi-même, 926 points en constante amélioration. Un peu plus rapide, service pas très puissant, mais coup droit quand même assez satisfaisant. Donc, je vais essayer d'axer sur cette qualité. Et puis, bonne qualification. On se replace un peu, on se met confortable pour ce match. Rome. Un autre tournoi de table battu, tellement à ma surface. J'espère vraiment avoir une victoire en 2-7 ici, environ 6-2, 6-3. Je pense vraiment que son manque de vitesse va vraiment faire la différence ici. Ouf. Un petit peu croche là-dessus. Et le service est au rendez-vous parce qu'il n'est pas capable d'être assez rapide pour aller le chercher en fait. Donc, je devrais avoir plusieurs points gratuits de cette façon-là. D'ailleurs, comme d'habitude, il faut que je mette le. Ça, c'est étonnant que ça se fasse pas tout seul, là. On va prendre 2 secondes pour faire ça. Master 1000. Ouais, j'en ai un de base. Je sais pas si j'ai le ROM directement. Sûrement. C'était l'internet. Ah, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est exactement ça. Internazionale. Non, Nali. En tout cas, mon italien est vraiment pas bon. Internazionale. En tout cas, c'est le bon scoreboard, ça c'est certain. Oh, je me laisse se prendre avec un petit service à 171 km/h. Bon, ma projection de 6-2-6-3, c'est peut-être un peu manqué, mais
On verra. Game J'ai bientôt. quand même bon espoir de pouvoir remporter ce match-là assez facilement. Beaucoup de difficultés avec mon Effectivement. service qui est quand même pas mauvais, mais il est pas non plus exceptionnel là. Là. Contrairement à ma dernière partie contre Stanislav Wawrinka qui courait après toutes mes balles et que j'étais incapable de le déborder sur quoi que ce soit, là présentement, c'est autre chose. 30-15. Allons voir quand même son niveau de forme de la journée, j'aime bien aller voir. Il n'est pas en forme d'ailleurs, là. Il joue comme un pro 8, donc très bien pour moi. Il me laisse un 15. boulevard, là. C'est très facile quand même. Au Comme service. service. Hein, parce que son dernier coup que. Quand il était au service la dernière fois, c'était pas aussi évident pour moi, là. Et voilà, 2-1. Game player one. Très bon départ quand même. Love. Peu de difficulté avec son service quand même. Love. Trente-quinze erreurs. Bon. Enfin. All. Retour de service assez impressionnant. Là, le break ici. C'est la ligne, c'est la ligne. Encore la ligne. J'abdique pas sur ce jeu-là. Comme je dis, c'est un voleur, donc le service volé est de mise. Service. On est parti pour une longue bataille, j'ai l'impression. L'adversaire a quand même 200 points de plus que moi. Donc, il est vraiment pas à négliger non plus. 2 à 2. Player 2. Love 15. Très bien jusqu'à maintenant. Excellent service ici. 15. All. Un petit peu imprécis depuis le début de cette partie, mais.
On voit qu'il n'est pas très rapide, sauf qu'il y a quand même une certaine qualité dans ses coups droits et revers. Donc, il est pas si facile à jouer que ça. C'est juste qu'il faut essayer de jouer plus intelligemment. Ah, il va les manquer. Bonne progression de carrière, je trouve, jusqu'à maintenant. Je dois dire que j'ai déjà commencé une carrière avec Milos Raonic, ça fait quelques années de ça. Et puis, le niveau que j'ai présentement, ça m'avait pris quand même un an et demi avant de l'avoir il y a quelques années. Et puis là, ça fait même pas 4 mois de carrière de commencer. Donc, c'est sûr que je gagnerai pas un grand chelem, c'est bien évident, là. 15-40. Mais peut-être, avec un peu de chance, avec un bon tirage, un ATP 250, ce serait toujours peut-être possible d'ici la fin de la saison. Du moins une demi-finale ou une finale. J'aimerais bien. Eh oui! Game player one. Comme je me disais, c'était pas un match que je devais perdre. J'espère bien me qualifier, mais compte tenu que je connais pas vraiment les adversaires que je vais affronter à la suite de ce match, j'avais visionné rapidement le tableau, comme j'avais mentionné à la fin de ma dernière diffusion, mais je sais pas les qualités sur le terrain de mes adversaires en fait. Si c'est un puncher, un attaquant de fond de terrain, un volleyeur. Game player one. Bon, 5-2. Ça se passe assez bien jusqu'à maintenant. Manquait un petit peu pour la ligne. Un peu trop de puissance. First service. Je crois que ça va être difficile de gagner ce jeu-là. Game player 2. On va y aller sur le thé. Hey, c'était loin du thé, ça. Un petit lob. Sorti de terrain. Oh, c'était pas mauvais ça. Oh, ça oui, par contre. Pierre Chris Morvan. Mauvaise montée à la net. Oh!
15 hours. J'essaie de faire un peu trop là. On va essayer de rendre le jeu un peu plus simple. J'ai pas besoin de viser la ligne à tout prix ici. Mon adversaire est pas rapide. J'ai pas besoin de me mettre de la pression supplémentaire à ce moment-là. La seule pression que ça me met, c'est quand il vient au net. Il faut dire qu'il faut que je vise un peu plus les lignes quand même, ou que je fasse un lob assez profond. Mais je suis pas en grande réussite de ce côté-là dans ce match-là jusqu'à maintenant. Oh oui! Balle de 7. Ok, ok. Et voilà. Player one. Bon, qu'est-ce que ça avait l'air, cette là? C'est l'autre qui marque le deuxième set. Ok, bon. 29 points de gagné contre 21. Différentiel de plus 7 ici. Moins 2 pour lui. J'ai quand même trop de fautes directes. On peut faire un peu mieux. Love 15. Lob manqué complètement. J'ai essayé d'anticiper une position de retour, mais c'était pas très convaincant comme retour non plus de ma part. Là. Il y avait le terrain complètement ouvert. Second service. Ok, bon. Pas grave. Master Mill de Rhum. Deuxième set. 0-1. 15 love. Avance le match. Pas tout l'heure. Deux petites secondes. Game player one. Second service. Fifteen love. Mon adversaire célèbre un peu trop présentement. Fifteen
Ah oui! Ah oui! 15-40. C'était bien ça. First service. Sérieux, je l'ai vraiment manqué solidement celle-là. 176 km/h, c'est tellement pas vite. Bon, deuxième balle, j'ai encore une chance d'avoir une balle de break. Là. Et. Ah ouais. Adventure. Pas monter sur une bonne balle, lui. C'était difficile. 50 serveurs. J'avoue que je monte pas beaucoup au net. Mais contre un voleur, j'essaye de pas trop le faire non plus. Là. Je pense pas que je serais gagnant. Advantage service. Puis mes statistiques au net sont pas très bonnes. First service. Bon, Bérard garde son service. Bon. Essayer de faire une réception de Smash au net, pourquoi pas? Hein? On peut toujours rêver. Hein? Peut-être l'avoir d'en face. Là. Pas ça. Qu'est-ce que j'espérais là-dessus? Ouais, 15-30. Un petit peu de danger ici, là. 30 all. Hey! 40-30, d'accord, ça va bien. Game player one. Très heureux d'être entré dans le top 100. C'est plus facile pour se qualifier pour les petits événements. Je ne sais pas si je vais avoir besoin de me qualifier quand même pour les ATP 250. Je crois que pour les 500, que je vais avoir besoin de passer par des qualifications. Mais... bien possible que certains tournois que je vais être exempté. Donc c'est excellent ça. Oh! Le terrain était complètement ouvert. Smash manqué. Retour sur la ligne. C'était excellent. Ça me fait vraiment plaisir. Oh, il a manqué ça. Il a passé carrément en dessous de sa raquette. Eh oui, c'est le berry de service. Yes. Game player one. 3-2. Va très bien. Love 15. Oh non.
Oui. C'était bien le temps Eugene d'aller au net. Moore. Attends, je vais y aller au net là. Oh non. Oh oui! C'était 13-15. 129 km/h. Wow. First service. Hey, c'était tellement manqué là. Paul! Je monte au net sur un service de bouse. Est-ce qu'on essaye un autre service volé là? C'était manqué les premières fois, mais. Excellent service volé. 30 Ah ouais. Avec un bon service. Ah, j'irai pas avec un service volé en deuxième balle non plus. Excellent. 4-2, 6-3, 4-2. Le match est sous contrôle. Love 15. Second service. Bon, j'avais prédit un 6-2, 6-3. Allons voir ce que je peux faire. 15-0. Un 6-3, 6-2 peut-être. Non, j'ai pas réussi à l'envoyer assez solidement. Ah non. Bon, ben ça va être 5, 4-3 plutôt. 15. Mauvais positionnement là-dessus. Ah ouais. Peut-être que j'aille un peu plus au net, ça marche quand même. C'est pas loin de réussir, ça. First service. Que c'était pas bon. Ok, on va la sortir, on va l'envoyer en service volé. Non, j'y vais quand même en service volé. Ah non, 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 directement sur la ligne. You. Ouais, mon service c'est pas adéquat présentement. Avantage. Service. Bon, 5-3. Game Et on est en voie de gagner ce match contre Michael Berrer. Ouais!
Ah ouais. 50 services. Très bien, ça. Low 15. Second service. Low 30. Finir ça 6-3, 6-3. Oh oui, 3 balles de match. 3 balles de break. Bonne chance, Berreur. Deuxième balle. Amène-la ta balle. Hop. Ah oh, oui, c'était très bon ça. Bon. 60 points de gagné contre 43. Je vais aller voir au deuxième set. Puisque j'avais regardé le premier set. 29 points contre 21, oui. 16-9. Non, c'est le premier set ça. Ouais, c'est ça. 25. Bon, ben c'est ça, j'ai vraiment amélioré pour les fautes directes. Lui aussi d'ailleurs. Il était à plus 5. Non, il était à moins 2. Puis il était à plus 7. Donc il a amélioré son niveau, mais moi aussi. Donc, merveilleux ça. Ouais. C'est un service. C'était bien, 79% premier service. Puis au premier set aussi, c'était bien aussi. Mais 3 as dans les deux sets. Bon, c'est parfait ça. Deuxième ronde des qualifs de Rome. Yes. Contre Ivan Dodig. Est-ce qu'il est bon? On verra. Dodig, 98e mondial. Contre moi qui est 97e. Bon. Intéressant. Ce sera pour la prochaine diffusion. À la prochaine pour une prochaine diffusion de Tennis Elbow 2013. Si vous aimez mes diffusions, vous pouvez vous abonner sur ma page YouTube. Merci, bonne journée.